qu'on va commencer. Donc, d'abord, un petit mot pour les parents. La séance va être adaptée aux enfants. Donc, ce que je veux le maximum, c'est que les enfants s'amusent. On ne va pas forcément regarder des alignements, mais on va vraiment essayer de s'amuser. Donc, les enfants, allez, hop, on va se réveiller. Il est tôt le matin. Je vous suggère d'abord de vous mettre debout. Allez, on se met debout. Ah oui, pour que vous voyez, est-ce que vous m'avez épinglé? Il faut double-cliquer sur mon icône pour que vous me voyez un grand plan. J'espère que c'est bon pour tout le monde. On va commencer. Donc, je pense qu'il pleut chez vous. Chez nous, il pleut beaucoup. Et maintenant, imaginez les enfants, vous vous êtes baladés dehors dans la rue et vous êtes tombés dans la boue. Berk, c'est pas agréable, hein? J'ai de la boue de partout. Donc maintenant, il faut qu'on s'en débarrasse parce que c'est vraiment pas cool d'avoir de la boue sur le corps. On aura sauté et vous allez essayer de vous débarrasser de cette boue et vous allez secouer, 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 secouer au maximum et écarter un tout petit peu les pieds comme c'est agréable pour vous. Relâchez les bras, relâchez tout le corps et secouez, 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 secouez. Imaginez, oh là là, il y a encore des restes de la boue sur le corps. Donc, c'est quoi pour vous en débarrasser? Allez, 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 on secoue, on secoue, on saute, on s'en débarrasse. Et c'est surtout sur les mains. Secouez les mains. Relâchez, relâchez et sautez comme ça vous plaît. Comme si vous vouliez vraiment vous en débarrasser. Allez, allez, encore, encore, encore un tout petit peu. Encore quelques secondes. Je vais compter jusqu'à 10. Et vous continuez à sauter. 10, 9, on secoue, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez vous asseoir. Génial. Bah, bravo. Vous vous êtes bien nettoyé. Maintenant qu'on est propre, on peut commencer notre séance ensemble. Vous pouvez vous asseoir comme moi, en tailleur. Si vous préférez, vous pouvez vous asseoir comme ça, sur les talons. Juste asseyez-vous un instant. Et quand on est confortablement assis, maintenant je vais vous inviter de fermer les yeux et écouter. Je vais vous raconter une histoire. Fermez les yeux, les enfants. Calmez un peu d'abord votre souffle. Vous êtes peut-être un tout petit peu essoufflé après tous ces sons qu'on vient de faire. Allez, tout le monde ferme les yeux. Moi, je vous vois. Moi, je vous vois. Super. Et écoutez la petite histoire que je me suis préparée pour vous pour aujourd'hui. Les enfants, maintenant qu'on ne peut pas beaucoup sortir, et des parcs d'attractions et des parcs zoologiques sont fermés, moi, je vais vous amener dans un parc zoologique. Donc, imaginez, maintenant, nous allons entrer dans un joli parc. Il y a un grand portail en fer et je vais chercher dans ma poche la clé. Oh, voilà, super, j'ai la clé. Et je mets cette clé dans la serrure, j'ouvre la porte. La porte, elle est vraiment très lourde, mais je la pousse, j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre la porte et je passe. Et là, d'un coup, visualisez ce que je dis, imaginez, on se retrouve sur une magnifique prairie. De l'herbe est verte et il y a plein de fleurs. Est-ce que vous sentez l'odeur de ces fleurs? Il y a des pissenlits. Il y a des roses, il y a des coquelicots, il y a plein de fleurs. Mais d'un coup, les enfants, quand il y a beaucoup de fleurs, il y a quoi? Il y a forcément des abeilles. Mais ces abeilles, c'est des gentilles abeilles. On aime les abeilles. Et moi, j'aimerais bien maintenant qu'on s'approche de ces abeilles et qu'on écoute le bruit qu'elles font, ces abeilles. Donc, pour débuter maintenant, vous allez faire comme moi. Vous allez vous fermer la bouche, fermer les yeux
bouchez vos oreilles avec les pouces au maximum et vous allez faire le bruit d'abeille. Gardez les oreilles bouchées, les yeux fermés, la bouche fermée et on fait. Et encore, on recommence encore une fois. Et une troisième fois, bouchez cette fois-ci le mieux possible. Autant que vous pouvez pousser et faites le bruit d'abeille. Très bien. Maintenant, vous pouvez ouvrir, vous pouvez me regarder, merci. Donc, on a vu les abeilles. On va poursuivre notre balade dans ce parc zoologique, mais attention, nous allons maintenant rencontrer beaucoup d'animaux. Mais ces animaux sont en danger, il y a une vilaine sorcière qui veut leur faire mal. Donc, moi, je vais vous inviter d'abord de découvrir les animaux ensemble. Et votre tâche à chacun de vous est de sauver un animal. Ça veut dire, on les découvre ensemble. Vous choisissez un animal qui est le plus sympathique pour vous. Et c'est celui-là que vous décidez de sauver. Et pour sauver cet animal, c'est celui que vous avez choisi. Vous allez me le prendre en photo avec vos parents à la fin de la séance et l'envoyer sur le WhatsApp des tigres. Donc, on va commencer notre balade dans le parc. Mais d'abord, on va s'étirer un petit peu. On vient de découvrir tout ce paysage, c'est magnifique. Inspirez et levez les bras. Regardez le ciel. Et dans le ciel, il y a des nuages. Il y a le soleil. Regardez le soleil et prenez toute cette énergie. Et maintenant, vous pouvez baisser les bras. Super. Posez une main à côté de vous et étirez-vous sur un côté. On va s'étirer. Vous pouvez même regarder vers votre paume de main. Regardez, qu'est-ce qu'il y a à droite? Est-ce que vous commencez à voir déjà les aliments? Et maintenant, on va poser l'autre main au sol et étirer de l'autre côté. Et vous pouvez aussi regarder vers votre main. Étirez-vous. Étirez. Super. OK, on revient au milieu. Maintenant, on va réveiller un peu la tête pour qu'on voit très bien. Donc, mettez la tête sur la poitrine. En arrière. Sur une épaule. Et sur l'autre épaule. Vers l'avant, en arrière, sur une épaule et sur l'autre épaule. Génial, très bien. Maintenant, mettez-vous à quatre pattes et regardez qui est là. Il y a déjà un petit chat qui vient vous accompagner. Donc, venez vous mettre à quatre pattes. Et on va faire le petit chat. Donc, ça, c'est le premier animal que nous voyons, le petit chat mignon. Donc, vous allez expirer et arrondissez le dos comme ce petit chat. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois un loup. Oh, regardez, il y a un loup qui hurle vers la lune. Mais il est un peu foufou, ce loup, parce qu'il n'y a pas de lune maintenant. Il fait jour. Hein. Bon, c'est pas grave. Arrondissez le dos encore comme le petit chat. Et encore, on voit le petit loup qui hurle vers la lune, creuse le dos. Une dernière fois, arrondissez au maximum comme vous le pouvez, comme ce chat. Et maintenant, ouvrez et imaginez le loup qui hurle vers la lune, même s'il fait jour, hein, il est un petit peu toc-toc, vraiment. Hein. Très bien, maintenant vous pouvez réveiller avec le dos plat. Et bien, qui se balade ici? Il y a un renard. Ah ben, regardez comment il fait le petit renard. Il va étirer un bras vers l'avant et le pied opposé. Et ça, les enfants, ça c'est très dur. Hein? Il faut beaucoup de concentration. Essayez de pousser dans votre petit ventre pour garder cet équilibre. Et vous pouvez déposer. Super. Vous êtes vraiment doué. Et maintenant, à nouveau, inspirez. Poussez dans votre
Ventre pour lever le bras et le pied opposé. Gardez. Waouh! Donc, qui est-ce qu'on a déjà vu? On a vu un loup, un chat et un renard. C'est très bien. Et bien, maintenant, regardez, on a un autre animal. Un crocodile. Le crocodile, il est très fort et je vais vous montrer comment il fait le crocodile. Donc, vous êtes à quatre pattes, les enfants. Et maintenant, on va faire quelque chose de très dur. J'aimerais bien que vous tentiez bien. Poussez dans vos orteils et mettez-vous à quatre pattes, sauf que les genoux ne touchent plus le sol. On devient comme une planche. Et ça, c'est le crocodile. C'est dur, hein? Gardez pour 5, 4, 3, 2, 1. Ouf! Posez les genoux, c'était dur, hein? On va réessayer encore une dernière fois ce crocodile. Retrouvez-vous à quatre pattes. Retournez les orteils. Et gardez, poussez dans votre ventre. Restez comme une planche, parce que le crocodile, il ne veut pas qu'on le voit dans l'eau. Il veut être quasiment invisible pour pouvoir chasser. Hein. Donc, il faut que vous soyez comme une planche. Oh, c'est dur, hein? Expirez. Et vous pouvez vous verser sur vos talons. Étirez les bras devant vous. Et reposez-vous un petit peu. Allez, réveil, on se réveille, on va encore continuer. Et moi, je commence à voir un serpent. Je n'aime pas les serpents, j'ai vraiment peur des serpents. Mais on va voir comment il fait ce serpent. Allongez-vous sur votre ventre. Mettez les mains. Attendez, je vais juste éteindre, j'ai un message là. Excusez-moi. Allongez-vous sur le ventre et on va regarder le serpent. Mettez les bras à côté de votre petit ventre, la tête parallèle au sol. Et maintenant, vous allez pousser dans vos mains, inspirer et vous allez lever juste l'avant du corps. Vous pouvez même faire le bruit de serpent. Expirez, posez votre front au sol. Excellent, vous êtes très très doué. Et à nouveau, poussez dans vos mains, relevez-vous et faites le bruit de serpent. Expirez à nouveau, posez votre front au sol, reposez-vous. À nouveau, poussez dans vos mains, levez-vous et faites le bruit de serpent. Expirez. Poussez, posez votre front au sol. Et maintenant, je vous invite à nouveau de vous asseoir sur vos talons. Étirez les bras devant vous. Reposez-vous un petit peu parce que là, on a encore beaucoup de choses à voir, de nouveaux animaux à découvrir. Mais j'ai l'impression qu'on se trouve à côté d'une piscine et dans cette piscine, il y a des requins. Oh là là, je pense qu'on va avoir besoin de vos parents parce que les requins, ça fait un peu peur. Hein? Bon, allongez-vous à nouveau sur le ventre. Mettez les bras le long du corps. Moi, je vais travailler avec Théo. Les parents, je vous invite à tenir les pieds de vos enfants. Et on va faire le petit requin gentil. Les enfants, vous pouvez crocheter les doigts derrière le dos. Et maintenant, moi, je vais tenir les pieds de mon garçon. Inspirez et levez maintenant à nouveau l'avant du corps le plus haut possible. Gardez 3 secondes, 3, 2, 1. Doucement, expirez, posez. Maintenant, Théo, est-ce que tu viens de m'aider? Maintenant, c'est le parent qui va faire. Alors, les enfants, qui est-ce qui le fait au mieux? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre maman ou papa? Tenez-lui les pieds. Je vais laisser mon fils le faire pour moi aussi. Donc, oh là là, c'est dur, hein? On va crocheter les doigts derrière le dos. Et quand on est prêt, on va inspirer. Et je me lève et je vais garder pour
3, 2, 1. Expirez et tout doucement, vous pouvez déposer. Super. Ah ben, vous étiez vraiment fort. Merci pour cette coopération en famille. C'est génial. Je pense que c'est les enfants quand même qui gagnent, qui sont les plus forts. Mais j'ai l'impression, les enfants, qu'à côté de la piscine d'Eric, je vois une arme. Et cette arme va nous aider à vaincre la vilaine sorcière. Et cette arme, c'est un arc. Restez allongés comme vous êtes. Et on va prendre cet arc parce qu'on aura besoin pour tirer sur la vilaine sorcière. Maintenant, les enfants, vous pouvez plier vos genoux, attraper les chevilles avec vos mains. Et il faut tendre cet arc, ok? Donc ça, c'est très, très dur. Nous allons pousser le plus fort possible avec les chevilles contre les mains. Et on va lever. Et on va lever et garder pour 3, 2, 1. Doucement, relâchez. Vous pouvez vous faire un petit coussin avec vos mains. Allongez le joue. Reposez-vous. Reprenez un peu votre souffle. Et on va réessayer encore une fois. Et maintenant, je vais vous regarder, parce que je suis très curieuse si vous arrivez à vous servir de cet arc. Donc, les enfants, préparez-vous. Attrapez vos chevilles. À nouveau, comme avant. Attrapez vos chevilles. C'est chouette, super. Inspirez et poussez avec vos pieds dans vos mains pour créer cet arc. Pour 3, 2, 1. Et tout doucement, vous pouvez relâcher. Et à nouveau, faites-vous un petit coussin. Allongez la joue pour vous reposer. C'est quand même assez intense. Retenez cette arme. On va la garder avec nous. Et on va continuer notre balade. Mais il y a un petit coquin ici. Regardez. Petit chien qui vient me voir. Ah ben, je pense qu'il a des choses à nous faire découvrir lui aussi. Je vais vous montrer comment on fait un petit chien. Poussez dans vos mains. Étirez l'arrière de vos jambes. Rentrez le petit ventre. Et maintenant, imaginez ce chien, il est un petit peu bizarre. Hein, parce que ce chien, il a des phares sur ses fesses. Et moi, j'aimerais bien que ce chien, il éclaire le plafond. Donc, poussez fort dans vos mains pour éclairer le plafond. Et gardez pour 5, 4, 3, 2, 1. Mais le chien, il est très joueur. Il a envie de s'étirer un peu. Donc, maintenant, il se dépose à quatre pattes sur les genoux. Et à nouveau, il pousse, il relève. Et maintenant, il veut à nouveau éclairer le plafond avec les fers qu'il a sur les fesses. Et à nouveau, il se dépose et il joue. Et une dernière fois, poussez dans vos mains et éclairez le plafond. On redescend. Maintenant, vous pouvez remonter, pousser dans vos mains. Et regardez ce qu'il fait, ce petit chien. Il lève un pied. Je pense qu'il veut faire pipi, mais c'est un peu bizarre parce qu'il lève la jambe, la patte vers le haut. Il dépose. Et maintenant, il va lever l'autre patte. Et il dépose. Et à nouveau, il va relever une des pattes et il dépose. Très, très bien. Et l'autre patte à nouveau. Super. Mais, ok, ben c'est chouette de s'amuser avec le chien. Mais moi, je vois un caméléon, un lézard. On va essayer de faire le caméléon. À nouveau, lever la patte du petit chien et on va ramener le pied entre les mains. Super. Mais
Moi, j'aimerais bien voir d'autres animaux. Hein. On va essayer de regarder vers la droite. Levez la main et regardez. Est-ce qu'on voit d'autres animaux là, vers la droite? Ben, pour l'instant, je ne vois pas. Ben, alors, je vais déposer ma main. Mais regardez les enfants, ça c'est assez dur, il faut se concentrer. Je vais avoir mon pied et les deux mains à l'intérieur du pied. Et posez le genou, reposez-vous. Étirez les bras. Ouvrez ce petit genou. Très bien. Et si vous le pouvez, vous pouvez descendre sur vos coudes. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas très grave. Vous pouvez rester avec les bras étirés. C'est très bien. Excellent. À nouveau, vous pouvez pousser dans vos mains. Retrouvez le petit chien qui lève l'autre patte très, très haut et qui va ramener cette patte entre les mains. Et quand on y est, on va regarder de l'autre côté. Levez le bras opposé et regardez qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce qu'on voit d'autres animaux? Ben, on retrouvait le caméléon, le petit lézard. Déposez le genou et mettez à nouveau votre main à l'intérieur de votre pied. Vous pouvez dégager votre pied un peu plus loin. Gardez les bras étirés. Si vous le pouvez, vous pouvez descendre sur les avant-bras. Si vous ne pouvez pas, c'est très bien comme ça avec les bras étirés. Vous êtes super les enfants, génial. Génial, super. Merci pour cette attention. Bon, ok, maintenant on va retrouver le petit chien et on va faire quelque chose de plus amusant. Parce que moi, je vois un autre animal qui se prépare. Ça va être la petite grenouille qu'on va retrouver. Poussez dans vos mains et maintenant venez sauter vers l'avant en gardant vos pieds écartés, larges. Théo. Donc, on va avoir les pieds écartés et vous allez pousser avec vos coudes, si vous le pouvez, contre le genou. Et ça, c'est la posture de la petite grenouille. Voilà, elle est là avec moi, la grenouille. Et quand on fait la petite grenouille, vous allez garder le dos droit pour 5, 4, 3, 2, 1. Génial. On va venir s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez attacher, vous pouvez joindre vos pieds, les attraper avec vos mains. Ah ben c'est sympa, comme il y a beaucoup de fleurs dans ce parc zoologique. Il y a aussi des papillons, donc on va faire bouger ses ailes. Et on va bouger les ailes 10 fois. Donc on va compter à partir de maintenant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Génial, c'est terminé. Mais qui est-ce qui vient avec un pas lent vers nous? C'est la petite tortue. Vous gardez maintenant les pieds attachés, comme pour le papillon. Et tout simplement, venez mettre vos mains, vos bras en dessous. Là, les parents pourraient peut-être aider un petit peu si les enfants ont du mal à comprendre. Et vous attrapez vos mains, mais de l'autre côté. Vous pouvez inspirer ici et garder le dos parfaitement droit. Si les enfants, vous êtes très motivés, vous pouvez arrondir le dos. Et là, on fait vraiment la carapace de la tortue. Vous voyez la petite tortue? Les enfants ne voient pas comme ça. Donc, arrondissez le dos. Et maintenant, je vais vous inviter de faire pareil comme Théo. Essayez de faire quelques pas de tortue. Vous allez échanger un pied, puis l'autre, et venir glisser sur le sol. Et c'est comme ça qu'elle marche, cette petite tortue. Vous voyez?
Bon, c'est un peu dur, mais la tortue, elle est un peu vieille, elle ne bouge pas beaucoup, donc on a essayé de la faire bouger. Génial. Mais maintenant, il y a aussi un petit crabe tout mignon. Allons découvrir qu'est-ce qu'il fait ce petit crabe. Maintenant qu'on est assis, vous pouvez mettre vos mains, écoutez ça, vos mains derrière vous. Inspirez, poussez, relevez vos fesses vers le plafond. Gardez pour 5, 4, 3, 2, 1. Déposez. C'est un peu dur, hein? On va réessayer encore une fois. Essayez de garder le dos droit. Va sur le tapis, s'il te plaît. Inspirez. Poussez dans vos mains. Et gardez pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. Et on va essayer une dernière chose qui est très, très dure, mais je vois que vous pouvez tout faire, les enfants. On va faire marcher ce petit crabe. Vous allez faire 2 pas à l'avant, 2 pas à l'arrière. Donc, on va inspirer, pousser dans vos mains, lever les fesses, et on va faire 1 pas et puis un deuxième. Et on va essayer de garder les fesses à haut et on se balade. 1, 2, et on refait 2 pas en arrière. Et maintenant, déposez, reposez-vous, asseyez-vous à nouveau sur les fesses. Super. Mais j'ai l'impression qu'on a toujours du mal à voir encore d'autres animaux parce que le crabe, on est d'accord, il est un peu petit, il est dans l'eau. Nous, on a besoin d'avoir un peu de hauteur, un peu de vue. Ben, moi, je vais inviter mon fils, et vous pouvez faire peut-être pareil, avec vos enfants, de venir monter sur mes pieds. Et vous pouvez lever vos enfants pour qu'ils aient un peu plus de vue. Assieds-toi. Ça, c'est juste un petit amusement. Et on va inspirer, élever au maximum. Et les enfants vont essayer de serrer le ventre pour être au maximum droit. Est-ce que tu peux voir de nouveaux animaux? T'as de la vue? Ah bah génial. Expirez et déposez vos enfants. Vous pouvez jouer comme ça avec vos enfants quand vous le voulez. Vous pouvez essayer de le faire asseoir sur vos pieds, essayer de le lever haut, mais il faut beaucoup de concentration, prendre le temps. Donc, je vous invite à le faire parce que c'est très bien pour les enfants de serrer les abdos et de solidifier leurs muscles. Mais bon, moi, je pense que ça, c'est pas assez. Et à mon avis, il va falloir monter sur un arbre. Allez, les enfants, on va grimper. Hop, on se lève et on va monter sur un arbre. Donc, comment est-ce qu'on le fait? D'abord, on va se préparer. Attrapez juste un pied derrière vos fesses et gardez l'équilibre. Fixez un point devant vous. Poussez dans votre pied de sol. Imaginez que vous avez des racines. On essaye d'abord ça. Vous pouvez déposer le pied. On va faire l'autre pied. Poussez dans le pied gauche ou l'autre pied. Imaginez des racines. Fixez un point devant vous. Et respirez parce que cet arbre, il est très solide. Et c'est grâce à ses racines et à la respiration qu'il arrive à avoir l'équilibre. Vous pouvez déposer. Et maintenant, on va vraiment faire cette posture de l'arbre. Donc, vous pouvez déposer votre pied soit sur le mollet, soit vous pouvez monter plus haut. Si jamais vous n'avez pas d'équilibre, je vous invite à vous tenir contre un meuble. OK? On va essayer de prendre la posture de l'arbre. Vous pouvez avoir vos mains devant la poitrine. Si vous n'avez pas de stabilité à nouveau, je vous invite à vous attraper
à vous tenir contre un meuble. Super. On va essayer de rester pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on va changer. OK? On va changer de pied. Vous pouvez déposer cette fois-ci l'autre pied. Ah, je vais vous aider encore pour avoir plus d'équilibre. Serrez votre jambe de terre. Poussez avec votre pied contre la jambe et avec la jambe contre le pied. Ça aide à être plus solide. Ah là, je vois quelques arbres qui sont super solides. Vous faites un super boulot, les enfants. Génial, très bien. Maintenant, on a un arc. On a vu plusieurs animaux. Et là, on est tous des super-héros. Regardez-moi, j'ai un Spider-Man. Vous pouvez imaginer que vous êtes ce que vous voulez être. Donc, on est des super-héros, mais pour être un super-héros, il faut qu'on s'entraîne. Donc, je vous invite, les enfants, d'écarter vos pieds. On travaille. Je vous invite d'écarter les pieds. Vous allez pousser dans un pied, donc ça va être le pied avant. Vous allez plier votre genou. Écarter les bras. Et maintenant, vous pouvez tendre le genou pour vous reposer. Et on va s'entraîner comme ça. Descendez. On plie le genou. Montez. Tendez le genou. À nouveau, descendez. Et tendez le genou. Encore une fois, vous pouvez descendre et monter. Très bien, on va changer de côté. Et maintenant, à nouveau, on va descendre et monter. Descendez, montez, descendez et montez. Très bien. Et maintenant, on va revenir à nouveau sur l'autre côté. Je vous invite de descendre. Et maintenant, prenez cet arc dans vos mains. Et on va imaginer, on va tirer sur la sorcière. L'arc, il se déployait. On va faire semblant de tirer sur la sorcière, l'arc il se déploie. Eh bien, bravo. Il faut le refaire encore de l'autre côté. On réessaye. Descendez, pliez votre genou et à nouveau, on va prendre cet arc. Déployez-le et tirez sur la sorcière. Ah ben, si on a raté, il faut qu'on réessaye. Pfiou! Ah, génial. Je pense que cette fois-ci, on l'a eu, cette sorcière. Vous pouvez tendre votre genou. Super, les enfants. Je pense qu'on a accompli la mission. Maintenant, juste avant de terminer, j'aimerais bien qu'on se récapitule des différents animaux que nous avons vus aujourd'hui. Et après, vous allez en choisir celui qui vous plaît le plus, celui que vous voudrez sauver. Et les parents, s'il vous plaît, prenez votre enfant en photo dans la posture d'animal de leur choix. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait le petit chat. Ça, c'est le petit chat. On a fait un petit loup qui hurle vers la lune. Vous pouvez choisir ça. Ou alors, le renard. Vous que vous préférez. Vous pouvez faire le... Vous pouvez récapituler avec moi pour bien retenir. Très bien. On a fait le crocodile. Il est dur celui-là. Donc ça, c'est le crocodile. On a fait le serpent. Bon, ça, c'est pas un animal. Ah non, on a fait le requin. Donc ça, c'est le requin. Et on a fait quelque chose qui n'est pas un animal, c'est l'arc. Si la posture de l'arc vous plaît, c'est celle-ci que vous pouvez vous faire prendre en photo. Elle est dure. Hein?
Et après, on a fait un petit chien. Je l'ai fait vite pour vous les rappeler. Donc ça, c'est le petit chien. Si vous voulez faire un petit chien à trois pattes, vous pouvez lever une jambe ou l'autre. Très bien. On a fait un petit lézard. C'est quand on a le pied sur le côté et les bras vers l'intérieur. Et on pousse pour ouvrir la hanche. Ça, c'est le lézard. OK. Après, on a fait un petit papillon. Si vous aimez cette posture, vous pouvez vous faire prendre en photo en faisant cette posture. On a fait la petite tortue, toute mignonne. Donc, vous pouvez arrondir votre dos pour faire la carapace de la tortue. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait, moi je me suis noté les postures, oui, on a fait le petit crabe. Ça, c'est le petit crabe. Et puis, on a fini par un arbre et par un super-héros. Juste pour le rappel, je vous les montre encore une fois. Donc, ça, c'est l'arbre. Chaque fois, faites des deux côtés la posture. Et le super-héros, c'est quand on écarte les jambes, on plie le genou, on étire les bras de chaque côté. Donc ça, c'est le super-héros qui a des super-pouvoirs. Il peut faire tout ce qu'il veut, lui. Et ce que j'ai oublié de vous montrer, qu'on a fait aussi, c'est la posture de la petite grenouille qui a les pieds bien écartés, qui pousse avec ses coudes contre les genoux. Donc ça, c'est la petite grenouille. Bravo. Ben, pour moi, la séance est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez, si vous voulez, allumer vos micros et dites-moi qu'est-ce qui vous a plu, quelle posture vous avez préférée. Moi, c'est l'arbre. Dis-moi fort. C'est l'arbre. Ah ben, génial. Et je t'ai regardé, tu as super bien fait. Hein? Loup. J'ai bien aimé le loup. Tu as bien aimé le loup? Tu vas m'envoyer une photo? Du loup? Vous voulez parler? Allez-y. Attends, me parle là. C'est quoi, toi? C'est bien? Je n'ai pas entendu, pardon. Moi, c'est l'arbre. 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 Moi, c'est le serpent. Le serpent. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Vous avez vraiment gardé votre attention, donc je suis impressionnée. Vous êtes des super-héros, des vrais super-héros. Ben, j'espère qu'on va se refaire une séance ensemble encore. Hein. Bravo. Je vous souhaite vraiment un très, très beau dimanche. Et les parents, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous envoyer les photos de vos enfants. Et on va en faire une petite animation pour le souvenir de cette séance. Merci. Merci à vous tous. Des bisous. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.